Van. La mystérieuse ville d'Orient, avec sa longue histoire de milliers d'années. Les plaines ornées de champs de coquelicots, colorées, naturelles, impressionnants comme ils sont sortis d'un pinceau d'un peintre. Ornée par les amandiers, l'île d'Agdamar se dresse au milieu du lac de Van comme une amulette Nazar. Arthos, l'ancien témoin du passé et du futur, le protège et le nourrit comme un bouclier. Avec toute sa majesté et sa générosité. Du sommet aux profondeurs, chaque région de cette ancienne géographie regorge de secrets et de miracles à découvrir. Explorer les profondeurs du lac Van, comme ouvrir le couvercle d'un trésor fermé depuis des milliers d'années. Le glamour de l'histoire, des cultures et de la vie, avec sa beauté à couper le souffle, est au plus profond du temps. Beaucoup de mystères et de miracles de la vie sont contenus dans son nom Émeraude, le plus grand lac de soda de notre planète vivante. Lac Van. Des chevennes aux oiseaux migrateurs, le nid de nombreux êtres vivants, la source de vie, l'eau de vie. La haute mer des Urartiens. C'est un trésor sous-marin unique, qui attend d'être découvert de sa richesse écologique aux structures archéologiques et historiques qu'il a soigneusement préservé et caché par l'eau gazeuse pendant des années. Microbialite, également connu sous le nom de coraux du lac de Van. Ces formations, qui ressemblent à des récifs coralliens, sont le résultat de la photosynthèse de bactéries cyano et de microalgues. Et le plus grand des microbialites identifiés jusqu'à présent se trouve dans le bassin du lac de Van. La microbialite, haute de 23 mètres, est estimée à environ 60 à 70 000 ans et au centre de scientifiques mondiaux. Ces formations naturelles ont une place importante pour l'écosystème. Les sorties d'eau douce et les zones blanches nouvellement formées sont prometteuses pour l'avenir. Les structures formées par la combinaison de microbialites sous l'eau sont des œuvres de la nature. La colonie de microbialites, que l'on appelle les cheminées de fées sous l'eau, rappelle Manhattan à New York. Pour les explorateurs sous-marins, ce n'est pas différent d'un musée sous-marin. Cependant, les plongées ici nécessitent de l'expérience en raison de la responsabilité écologique. Afin de ne pas briser les microbialites formés depuis des milliers d'années par un coup de palme de natation, les plongeurs qui souhaitent plonger dans la région doivent augmenter leur expérience de plongée
et avoir une bonne habileté de nager. Darek, également connu sous le nom de perle du lac de Van. Les Darek, que les habitants appellent poissons volants, sont les seules espèces endémiques du lac. Afin de maintenir leur génération, ils migrent vers des sources d'eau douce en groupe chaque printemps. Des millions de Darek nagent en synchronisation en contre-courant. Ils ne pensent même pas une seconde à abandonner ce voyage difficile. Ils essayent plusieurs fois de réussir. Ils essayent. En premier, les femelles pondent leurs œufs à zone sablonneuse et caillouteuse du ruisseau. Les mâles laissent leur sperme sur ces œufs et contribuent à la poursuite de leur génération. Darek, avec sa détermination, sa patience, sa passion et sa motivation, il inspire l'humanité. Cette migration de masse, qui a commencé au printemps, se poursuit jusqu'en juillet. Bien sûr, les seuls gagnants de la grande migration ne sont pas les Darek. Les chasseurs prennent leur part de ce voyage fascinant aussi. Pierre tombale Seldjoukide. Les pierres tombales Seldjoukide que nous avons découvertes lors de la recherche sur les monstres légendaires du lac Van dans le district de Jevas, à 3-4 mètres de la surface, suscitent une grande curiosité. Préservées par l'eau gazeuse, ces pierres historiques servent désormais de tourisme sous-marin à Van. L'icône la plus frappante des pierres tombales à l'exclusion des cris sont les motifs floraux. La seule épave découverte au lac Van, le navire de charge Agdamar, l'un des trois navires russes utilisés pour le transport et l'expédition de munitions sur le lac de Van pendant l'occupation russe de la région. Le cargo qui coule sur les rives de Réchadier en 1958 à cause d'une tempête est blessé par sa gouche. Dans l'accident, où il n'y a pas de perte humaine, mais jusqu'à 60 moutons périssent. Le navire debout à flanc de colline a une profondeur de 10 à 22 mètres au large de la côte de Tadvan Janatduzu, n'a pas perdu son élégance en raison de l'eau gazéifiée du lac de Van. L'équipement tout en bois du navire, y compris la cabine du capitaine, est en place et impressionnant, même après de nombreuses années. Le navire d'environ 40 mètres de long et 6 mètres de large est l'un des témoins silencieux de l'histoire. L'une des 10 plus importantes découvertes archéologiques de la Turquie en 2017, le château d'Alilçevaz, a un grand impact sur le monde. C'est un 3000 ans structure qui sont considérées comme appartenant à une structure urartienne. Les murs et les bastions du bâtiment en pierre taillée ont survécu pendant des milliers d'années. Sur les murs du château, dont la profondeur est comprise entre 5 et 20 mètres, se détachent des figures de lions uniques à la civilisation urartienne. De nombreux fragments d'amphores brisés au fond du lac ajoutent de la valeur à la richesse archéologique du sous-marin. L'île d'Adir, qui a été au centre de nombreux scientifiques nationaux et étrangers, en particulier des voyageurs européens du passé à aujourd'hui, était l'un des points importants des livres d'écriture médiévale. En plus de sa richesse historique,
Adir se démarque par sa richesse écologique. La position sous-marine du musée est au moins aussi fascinante que la position en plein air. Altinsach, qui est l'un des plus beaux endroits du lac de Van, mérite son nom. Le plus grand microbialite du monde, qui a été découvert jusqu'à présent, continue de vivre dans les profondeurs d'Altinsach. L'or, des microbialites de couleur relativement claire, améliore la beauté des eaux sous-marines. La structure la plus importante de la région est dans le village de Altinsach, sainte église du monastère Saint-Thomas qui a été construit au XIe siècle. Shamran est le travail d'ingénierie le plus important de la civilisation urartienne. Il a été construit par le roi Menoua il y a 3000 ans pour acheminer l'eau du quartier Gourpinar de Van vers le centre-ville. En termes de durabilité, le canal qui est similaire à la technologie d'aujourd'hui a une longueur de 56 km et a été calculé avec précision. Il abrite également de nombreuses créatures sous-marines du canal de Shamran, couvert de roseaux. La cascade de Mouradjé, qui est l'un des symboles importants de Van, prend des couleurs différentes à chaque saison de l'année. Son image ressemblant à Pamukkale, en hiver, laisse sa place à toutes les couleurs de la nature en été. Il se trouve sur le ruisseau Benzimaï, qui coule des contreforts de la montagne Tendourek à la plaine de Mouradjé. Le bruit de l'eau qui coule d'une hauteur de 12 mètres donne au public la tranquillité d'esprit. Le lac Kaz est la maison d'une alimentation des plus inhabituelles en hiver. Dans la région où l'élevage des animaux est intense, le buffle d'Asie, Bubalus bubalis, arrive dans la région avec instinct sans berger et brise la glace et se nourrit d'herbes fraîches au fond de la rivière. Cet événement de nature, rarement vu dans la nature, est assez intéressant. Asia Mandat n'est pas le seul habitué du lac. Des troupeaux de castors, canards et oies sont logés dans ces roseaux aussi. Le point le plus profond du lac est de 10 mètres. Île de Charpanak, centre d'élevage de mouettes. Au bout du cap Tipek Duzu, à environ 1 km de la terre, l'île est également le centre d'attraction des sports nautiques. Située au nord de l'île, la plaine est reliée à la terre lorsque le niveau du lac est bas. On sait que les Arméniens qui vivaient dans la région dans l'histoire sont venus adorer l'église Ktout en marchant de cette façon. Le lac Erchek, situé parmi les zones humides de classe B, abrite des oiseaux en voie de disparition. Le lac a une grande importance pour la pérennité des espèces d'oiseaux. La moitié des 453 espèces d'oiseaux de notre pays existent dans le bassin du lac Erchek. Les espèces immigrées, comme les flamants roses, préfèrent le lac comme refuge et lieu de l'élevage. Surtout, les flamants roses organisés au nom des festivals sont les préférés des amateurs de photographie. Le lac Nemrut Crater, situé dans le bassin du lac Van, est l'un des sites du patrimoine naturel les plus importants de notre pays. Ce lac, bleu et vert, a une vue panoramique insatiable. Le point le plus profond du lac, formé par l'éruption volcanique, est de 155 mètres. Le lac qui aurait été découvert par Alexandre le Grand au cours de sa campagne orientale est appelé Paradis d'Alexandre le Grand aussi. Le lac, qui a été déclaré monument naturel en 2003, est particulièrement populaire auprès des alpinistes et des amateurs de camp à une hauteur de 2935 mètres. Le lac Van, vieux de 600 000 ans, partage généreusement ses secrets cachés avec les amateurs de sport aquatique et les amoureux de la nature. Le lac Van, qui est décrit comme la mer par les habitants de la région, est en passe de devenir le centre du tourisme sous-marin et de la plongée d'altitude avec sa richesse écologique et archéologique.
Êtes-vous prêt à explorer ces eaux mystérieuses de l'Orient et à découvrir l'histoire des eaux verts émeraudes ?